Et salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se retrouver pour la série LCS Le Pelter, donc la série TP, comme tous les mardis pour Kouz, qui remplace le Forestier Boulet pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode précédent. Donc pourquoi la dernière fois on avait commencé à creuser, donc pour le coup on va continuer ça tranquillou. On va continuer ça tranquillement. Hop. Ah, j'ai un problème chef, attends. C'est pas bon, c'est ouais, parce que c'était pas le bon truc. Donc j'espère que bah, cette petite série vous plaît, vous plaît, que voilà, vous trouvez ça un peu sympathique. Ah merde, c'est vrai. Ah ah, troll, je viens de me faire troll, j'avais oublié de changer mes axes. Normalement c'est comme cela. Hop, sauvegarde terminée. Non, c'est dans sa versée. Hop, bon, ça prend chaque fois 20 secondes, mais faut juste que j'oublie à chaque fois en fait de les refaire. C'est vrai que cet aspect-là, TP, c'est vrai que c'est assez galère. Parce que, bah, il faut pas oublier de le faire, et que moi je suis Mister Tête en l'air, donc j'oublie de le faire à chaque fois. Et c'est vrai que c'est très très chiant. Oui. Donc, pour le coup, on va finir de remplir. Merde, putain. On va finir de rompre. On va. Attends, me dis pas que je suis en bout de flèche là. Ah si, je suis en bout de flèche. Ah le troll. Bon bah pour le coup on va rapprocher le tracteur. Hop, on va rapprocher un petit peu le tracteur quand même. Histoire de hein, qu'on soit un minimum assez près. Donc dans le dernier épisode, on avait commencé ce petit chantier pépère. Donc du coup je pense qu'on va avancer tranquillement hein. Je pense que les séries TP de toute façon sur farming on peut pas faire énormément de choses. Avant de commencer j'ai été regarder un petit peu ce qu'on pouvait faire sur la map. On peut faire quelques petites choses mais c'est surtout de la pelle, c'est énormément de pelle. Franchement il n'y a pas voilà, c'est pas, y a pas moyen d'avoir un truc vraiment vraiment 100% TP où on peut faire de l'appel, du rouleau compresseur, du bulldozer, etc. Pour le coup, là c'est vraiment que de l'appel. Donc je pense que ces épisodes-là vont pas durer longtemps du tout. C'est vraiment, ça va durer à peine un quart d'heure, je pense. Un quart d'heure, 20 minutes, grand maximum. Parce que voilà, je pense que l'appel, ouais, c'est bien l'appel, mais bon, au bout d'un moment, on risque de se faire chier. Donc du coup voilà, la série non plus devrait pas durer très très longtemps, je pense qu'elle va durer juste quelques épisodes. Ah, ça c'est quand on godait, quand ta benne elle est pleine, ça devrait durer quelques épisodes. Combien exactement, je ne sais pas les amis. Oh putain, ça par contre c'est super chiant. Combien d'épisodes exactement, ça reste à voir. Ça reste quand même à voir. Parce que tout simplement, voilà, je vais pas faire pendant 6 mois, je vais pas faire de l'appel. Franchement, on va faire un minimum quand même. Bah, histoire de, voilà, de s'amuser un petit peu sur le TP pour changer du farming classique. Et puis bah après par la suite, soit on passera sur un nouveau jeu, ou alors tout simplement on reprendra sur une série, au moins que d'ici là, il y a des nouveautés. Des nouveautés qui apparaissent. Alors pour le coup, pour vendre la terre, c'est bien mignon, mais vendre la terre, il faut que je sache où aller la vendre. Et pour le coup, je crois que la terre, en fait, on peut même pas la vendre, donc il faut la stocker. La terre, il faut la stocker, donc je sais même pas ce que je vais aller foutre ça. Où est-ce qu'on va aller mettre ça? Parce que là, il faut que je garde un minimum bah, sur la propriété, de toute façon. Où est-ce qu'on va aller foutre ça? Je crois que j'ai un truc, là, quelque part. Ah là 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 là! Donc, du coup, sur cette map-là, bah, on peut pas vendre la terre, malheureusement. Donc, ouais, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, parce que vu qu'on est obligé d'acheter un peu toutes les choses. Ou alors, on changera de map aussi, je pense que c'est... On peut faire ça. On changera de map. On va se trouver un coin tranquille.
On va se faire un petit coin, on va se trouver un petit coin tranquille pour balancer tout ça. Faut que je m'assure que je puisse y baigner aussi. Donc on va essayer de pas aller trop loin. Oh putain, j'ai encore mes axes. Non, pourtant mes axes ils ont pas. Alors normalement je dois avoir peut-être un petit bout de chantier là quelque part en bas. Normalement je dois avoir un trou, je vais pouvoir balancer tout ça. Hop, on va se mettre en vue intérieure, ça sera mieux. Oui, bah oui, par là je vais pouvoir baigner la terre. Par là je vais pouvoir baigner la terre. Alors c'est marrant. Oh putain, il s'est un pont. Wouhou! C'est bizarre parce que j'ai un problème, j'ai l'impression que j'ai besoin de tourner plus mon volant d'un côté que de l'autre. Franchement, c'est bizarre. Bah pour le coup. On va faire marche arrière. Donc c'est vrai qu'il y a quand même des modes assez sympathiques. Il y a des modes quand même assez sympathiques. Pour faire du TP, voilà, pour histoire juste de s'amuser tranquillement entre amis ou en famille, suivant comment vous souhaitez. Mais pour le coup, ouais, je pense que ça peut être sympa pour aller, on va dire, quelques épisodes. Donc je pense qu'on va faire, il y a moyen de faire différentes choses. Bon, ça va être surtout beaucoup de pelles, du transport, de la pelle, du transport, de la pelle, du transport. Malheureusement, pour l'instant, j'ai pas trouvé autre chose. Donc sur cette map-là, il y a que ça. Malheureusement, c'est beaucoup de pelles. Au moins qu'à un moment donné, je sais qu'il y a un chantier, on va pouvoir sortir une chargeuse. On va pouvoir sortir une chargeuse. Donc, ça va peut-être changer un petit peu de la pelle. Ça va changer un petit peu de la pelle quand même. Mais ça sera surtout, voilà, ça va être du camion ben là, parce Hop, que là, je ça mets la sera pas petite du pause. tracteur, ça Alors, les sera du. amis, pour ceux qui n'ont pas encore remarqué, j'ai tendance à répéter un petit peu les choses. Non, c'est juste que, voilà, je sais pas pourquoi. Fais le con. Ben, parce que voilà, il y a beaucoup de routes à faire. Pas beaucoup de routes. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'endroit où balancer la terre en fait. Putain, mais ça par contre, je trouve ça. Je crois que c'est mon volant qui est mal calibré. Ouais, je crois que c'est mon volant qui s'est mal calibré. C'est mon volant qui s'est mal calibré. Ça sent le redémarrage de PC. Alors, je vais juste débrancher le USB, la rebrancher. Et pour le coup, je suis obligé d'arrêter le jeu pour le coup et de relancer le jeu parce qu'autrement ça marchera pas. Et pour le coup, bah ça j'y ferai après la vidéo. Mais bon, on va essayer de jouer. C'est pas injouable, donc ça c'est pas grave. Mais c'est vrai que là, j'ai juste à faire ça. Mais par contre, pour tourner, je suis obligé de tourner plus le volant. Donc ouais, j'ai la zone morte qui s'est décalée. C'est la zone morte qui s'est tout simplement décalée. C'est la zone morte qui s'est tout simplement décalée, donc c'est pas très grave. Il n'y a pas mort d'homme, on va se débrouiller quand même. On va se débrouiller quand même comme on peut. Alors là, je devrais pas être trop mal. Voilà, nickel, Jean-Claude, nickel. Hop, on arrête les tutures. Hop, on redémarre la bestiole. Et puis, il n'y a plus qu'à creuser, Simone. Donc, oui, j'ai remarqué aussi que dernièrement, il y a une petite bagarre entre les pouces bleus et les pouces rouges. Donc, pour ceux qui pensent que je sais pas qui vous êtes, qui s'amuse à faire ça, franchement, vous êtes vraiment débile, hein, parce que c'est vraiment du n'importe quoi. Je pense que ces emmerdeurs de première, les chaînes vont être signalées. Parce que vu qu'on sait qui c'est, les chaînes vont être signalées, je pense. C'est même presque sûr. Parce que tout simplement, voilà, c'est pas. Franchement, si vous avez que ça à foutre pour emmerder le monde, c'est un peu du n'importe quoi. Parce que j'ai remarqué que sur deux ou trois vidéos, ça commence à venir me faire chier. En live, c'est la même chose. Voilà, les petits raids de pouces rouges. Oui, c'est bien, vous vous amusez, les gens. C'est bien. Oui. Mais ouais, c'est les gamins de 6 ans qui s'amusent à faire ça. Mais bon, à part ça, c'est pas grave.
Bon, enfin bref, on va pas en discuter 50 000 ans. Donc aussi pour ceux qui ont vu aussi hier, il y a une nouvelle série encore qui est arrivée sur la chaîne. Donc un nouveau jeu, j'espère qu'il vous plaît, les amis. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas, voilà. C'est pareil pour toutes les séries, n'hésitez pas à commenter. Ah putain, si on peut creuser vachement profond quand même, mine de rien. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Je pense qu'on a, on a franchement moyen de s'amuser. On a franchement moyen de s'amuser vraiment avec cette nouvelle série. On a vraiment moyen de s'amuser avec cette nouvelle série. Franchement, il y a moyen. Bah, je vais pouvoir déjà vous présenter pas mal de voitures parce que sur Project Cars, c'est vrai qu'il y a énormément de voitures. Du coup, bah, ça promet un contenu bien varié. Et bah, je pense que ça va être l'éclate. Et pour ceux aussi qui ne sont pas au courant, enfin, je tiens à le rappeler quand même un minimum sur. Pour farming, pour le coup, n'oubliez pas il y a le mode. Enfin, il y a le mode. Il y a le pack DLC qui sort le 22 de ce mois-ci. Normalement, s'il n'y a pas de retard. Hein. Il sort le 22 de ce mois-ci. Est-ce qu'il y a moyen de faire quelques tours quand même? Ouh la vache. Ah oui, la vache, ouais, il y a moyen de faire quelques tours. Tac. Ah ouais, il y a moyen de creuser, mais bien comme il faut, quoi. Il y a moyen de creuser bien comme il faut. Hop, tac. Bon, c'est vrai que bon, ça risque d'être rasoir sur la série. Après, je vous avouerai qu'au bout d'un moment, la série, elle s'arrêtera peut-être comme les autres, un peu hein, du jour au lendemain. Pour changer parce que voilà ça va vite être très chiant à faire parce qu'en vidéo voilà il n'y a pas grand chose à faire franchement ouais c'est vraiment bah déjà avoir fait les pelles etc c'est vrai que c'est sympathique mais bon c'est vrai que le potentiel est quand même énorme donc il y a moyen de faire pas mal de choses après il faut le temps au modeur pour faire ce qu'il faut pour qu'il puisse pour qu'ils puissent tout simplement qu'ils puissent tout simplement qu'ils puissent tout simplement nous faire des modes des nouveaux modes des nouvelles maps ce genre de trucs là sur du TP donc c'est possible que ça fasse comme le forestier que ça s'arrête pendant un moment et puis que après ça reviendra un peu plus tard quand il y aura des nouvelles choses parce que pour le coup. Ah bon, bah la benne, elle est pleine. La benne est déjà pleine. Bon, c'est vrai que le trou, quand même, il est assez béant. Le trou, ouais, ah ouais, quand même, le trou, il est vraiment profond. Je pensais pas qu'il soit aussi profond que ça. Franchement. Il y a quelques tours à faire, je pense. Donc, à mon avis, ouais, il y a moyen de rester un moment sur le chantier, mais je pense qu'à un moment donné, on changera, on ira faire un autre chantier, puis on reviendra sur celui-là de temps en temps. Voilà, pour varier un petit peu, parce que là, ça va vous faire votre deuxième épisode de pelle. Je pense qu'au prochain épisode, ça sera de la pelle, mais ça sera de la pelle autrement. Ça sera de la pelle sur un autre chantier, histoire de changer un petit peu. Parce que autrement, bah, ça risque d'être long, ça risque d'être chiant, et puis, mes amis, tu ne peux pas faire autre chose, c'est chiant. Voilà. Bon, je sais qu'après, vous n'êtes pas très nombreux non plus à aimer le TP, mais bon, comme j'avais envie d'essayer le TP, j'avais envie de faire un peu de TP. Je dis pas, tiens, pourquoi pas sur la chaîne, ça va rajouter une variété supplémentaire en gameplay. Je dis, ouais, pourquoi pas, ça peut être cool. Ouais, du coup, voilà. Après, pour ceux qui m'ont suivi en live hier, déjà, bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. Donc, on a atteint les 6, on a dépassé les 650 abonnés. C'est vraiment quelque chose qui est énorme. Donc, déjà, merci à tous pour vous, pour tous vos partages, les amis. Ça me fait énormément, énormément plaisir. Ça me fait énormément plaisir. Et pour le coup, bah, ça montre que voilà, j'ai du potentiel
Bah, tout simplement pour en faire mon métier, comme je vous en parle très souvent. Et bah, c'est vrai que là, au fur et à mesure du temps, bah, vous êtes de très nombreux à me soutenir, vous êtes très nombreux à être présent en live, même quand par exemple il y a beaucoup comme Guigui par exemple qui m'a fait un joli raid encore le week-end dernier, et je tiens à le remercier aussi. Si tu passes par cette vidéo, même si je sais que t'aimes pas le TP, mais bon, ça m'étonnerait que tu regardes, je tiens à te remercier quand même parce que franchement, c'est la deuxième fois que tu me le fais, et comme par hasard, à chaque fois c'est de l'ensilage, donc franchement, je crois que je vais faire de l'ensilage plus souvent. Non, je déconne, non, c'est juste pour dire que voilà, c'est vraiment. C'est juste énorme, je pensais pas monter aussi vite. Là, ça va faire bien peut-être bientôt 5 mois si on l'a pas, si c'est pas déjà tout juste, que je suis actif sur YouTube. Et pour le coup, je monte quand même à une belle vitesse, je trouve. C'est vraiment quelque chose de sain, c'est vraiment quelque chose d'énorme en fait, tout simplement. C'est énorme. Même si voilà, il y a des rageux, bon bah c'est comme tous, hein, on est tous passés par là, on a toujours une bande de rageux qui viennent nous emmerder. Parce qu'ils sont pas contents, parce qu'ils sont jaloux, voilà. Bon, bah après, voilà, c'est comme ça, c'est des choses, j'en tiens pas compte de toute façon. Même si ma petite remarque des pouces rouges au début, voilà, pour leur donner un petit peu d'intérêt quand même, hein, il faut pas les oublier, autrement ils vont se sentir délaissés, les pauvres. Donc voilà, il faut bien que je pense un petit peu à eux aussi. Donc du coup, voilà, bah oui, déjà, merci de tous vos partages, franchement, ça me fait énormément plaisir. Merci de votre soutien. Vous m'incitez à continuer, vous m'incitez à vous proposer de plus en plus de choses. Et franchement, ça peut me faire que plaisir. Ça peut me faire que plaisir. Et bah, pour le coup, là, vous aurez de plus en plus de choses sur la chaîne. Donc vous aurez de plus en plus de contenu. Vous avez déjà 4. Attends. Vous avez le TP, Project Cars, vous avez les tutos. Et l'unboxing, donc ça fait déjà 4 nouveaux contenus supplémentaires encore sur la chaîne. Bon, l'unboxing, c'est vrai que là, ça va, c'est vrai que ça vous plaît, hein, parce qu'on a franchement, niveau vidéo, on a flingué les scores. On est quand même, on a dépassé les 250 vues, et ça, c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Et pour le coup, c'est juste énorme. Donc, mais bon, le. Pour l'instant, les vidéos unboxing, je vais pas pouvoir en faire toutes les semaines, ça c'est clair et net. Je vais pas pouvoir en faire tous les mois non plus, forcément. Bon là, vous aurez peut-être un mois avec, pour l'instant, une fois par mois, enfin une fois par mois. Pendant un temps, vous aurez une fois par mois, vous aurez une vidéo unboxing. Pendant un certain temps, vous allez plus en avoir. Et puis là, au milieu de tout, vous allez en avoir. Voilà, ça va être. Je vous dis tout de suite que ça ne sera absolument pas régulier les vidéos e-boxing parce que comme je l'expliquais déjà en live, malheureusement, je n'ai pas pour l'instant j'ai personne en tant que sponsor ni partenaire pour me fournir du matériel à présenter. Donc pour le coup, pour l'instant, ça c'est je serais, bah, je suis tout simplement obligé de sortir ça de ma poche. Donc du coup bah voilà c'est assez c'est voilà c'est pas c'est assez compliqué le gaming c'est que ça coûte vraiment il y a du matériel qui coûte vraiment très cher il y en a d'autres qui coûtent pas très cher je vous l'accorde mais bon c'est surtout que ça coûte relativement cher et pour le coup bah voilà à peu près non plus on n'est pas Crysis donc je peux pas toutes les semaines je peux pas acheter un nouveau colis je peux pas faire voilà je peux pas vous faire ce genre de truc là pour l'instant mais ça viendra je pense au fur et à mesure du temps au fur et à mesure que la chaîne a grandi. Je pense qu'au final, il y aura quand même des sponsoring, même s'il y a un sponsor que j'aimerais bien franchement obtenir. C'est vrai que, comme par exemple la marque Corsair, qui me plaît énormément, j'ai jamais été déçu de leur matériel. Ils font vraiment du matos de compète, j'aimerais vraiment bien représenter la marque. Après, il y aura peut-être d'autres marques aussi qui viendront aussi par la suite, hein, pourquoi pas Logitech, etc. Ça peut se faire, franchement, moi je suis pas contre. Ça me rajoutera du contenu et puis bah vu qu'en plus ces vidéos-là vous plaisent énormément apparemment donc bah pour le coup pourquoi pas donc on verra par la suite comment que la chaîne va évoluer donc évidemment vous aurez pas que après vous aurez évidemment en in-game vous aurez du bah, vous aurez des jeux tout ce qui est jeux simulation pour le coup vous aurez tout ce qui est jeux simulation et bah tout simplement tout simplement, wali walou. Pour l'instant, de toute façon, après, comme je l'ai déjà dit en live, en vidéo, vous aurez pas, ça sera, vous aurez pas de vidéo, par exemple, comme GTA, du Minecraft, ce genre de conneries. Ça sera plutôt, au moins que je change d'avis. Hein, après, vous allez me dire, il y a que les cons qui changent pas d'avis.
Après, j'ai envie de vous dire, pour l'instant, ça serait, c'est sûr et certain qu'il n'y en aura pas en vidéo, mais en live, c'est fort possible, voilà, pour passer une soirée détente, pour se détendre tranquillement, passer une bonne soirée, un peu comme sur ETS. Voilà, c'est assez sympa, ça casse la routine, ça casse le farming, parce que c'est vrai que tout le temps du farming, ça, ouais, c'est relou, c'est chiant. Et puis, bah, au bout d'un moment, on va finir par tous se lasser et puis on ne voudra plus jamais en faire. Et ça, franchement, c'est vraiment chiant. Donc, du coup, voilà. Bon, sur ce, les amis, moi, je vais vous laisser pour cet épisode. Bah, déjà, merci à tous de me suivre. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Pour le coup, n'hésitez pas à vous abonner si cela ne l'est pas déjà fait, sans oublier la petite cloche. Normalement, ça devrait s'apparaître quelque part sur le devant vous. Le petit pouce bleu qui fait plaisir. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en pensez de la série et des nouvelles séries sur toutes les vidéos que je vous sors. N'hésitez pas à commenter, ça me fait énormément plaisir de vous lire. Et puis sur ce, moi, je vais vous dire... Salut au chat! Let's dance, 'cause tonight we're fire, break out!